Aujourd'hui, je vous parle d'une fresque réalisée par des enfants du 18e à Paris. Une artiste et son assistant se sont mis en place et les enfants vont arriver. La fresque, l'idée d'une organisatrice qui nous parle du regard d'aujourd'hui et de la mémoire de demain. Artistes, enfants, organisateurs nous racontent leur histoire. Vous êtes la créatrice de la fresque Rubinet. Comment avez-vous intégré le projet ? Alors j'ai intégré le projet via Vanessa, en fait, qui m'avait déjà proposé de travailler avec elle lors d'un projet en 2011 qui s'appelait « Regard d'aujourd'hui, mémoire de demain ». Et donc elle avait envie de prolonger ce projet par une fresque murale en travaillant avec les enfants des associations du quartier. Comment s'est passé le travail avec les enfants ? Alors avec les enfants, c'était quelque chose de particulier parce que chacun savait, surtout à ces âges-là, donc c'était entre 7 et 17 ans, et de se voir en portrait, en très grand portrait, dans la rue, avec toutes les personnes du quartier qui vous reconnaissent, de travailler sur place, les gens qui passent, « Ah mais regardez, en fait, c'est lui qui est en train de travailler sur son propre portrait. » Donc, je pense que eux, ça les intimidait quelque part, mais ça leur plaisait beaucoup. Et en fait, le travail de peinture, qui n'est pas évident du tout finalement, quand on regarde, de travailler sur un mur avec un enduit qui n'est pas forcément lisse. Donc ça demandait quand même beaucoup de concentration. Et tous ces choix qu'ils avaient fait de pouvoir se dévoiler leur personnalité finalement, en choisissant tout ce qu'ils aiment et de les mettre sur leur propre portrait, je pense qu'ils ont eu Quand on en parlait, c'était vraiment des sentiments très partagés. Mais en tout cas, ils étaient très concentrés, très motivés et ravis comme tout de travailler là-dessus, sur ce mur. Et puis après, ce qui est rigolo, c'est le côté un petit peu star avec tous les touristes qui passent, qui les prennent en photo, qui leur posent des questions. Donc je pense que le travail donc, en atelier... ça a été vraiment incroyable parce que finalement, au début, s'ils n'osaient pas dire tout ce qu'ils aiment, c'est pas toujours évident de dire à 10 ans, j'aime le bois, 12 ans, j'aime les doudous, ou des choses comme ça. Et bien après, il y avait un laisser-aller dans l'atelier. Quand ils ont réalisé après ce que ça allait donner en grandeur nature et l'implication que ça allait avoir, je pense que vraiment là, ça a été un travail... de partage super, quoi. Vraiment, on s'est bien amusé en tout cas. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce projet ? J'ai été interpellée par Vanessa Sans, qui à l'époque travaillait au centre d'animation Binet, elle était stagiaire, et elle voulait monter un projet autour de la mémoire du quartier. Quel est l'intérêt pour Paris Habitat ? Donc c'est une action très positive pour Paris Habitat et ses locataires à qui en fait le projet aussi s'adresse. Hein. On est sur un quartier aussi monobailleur, vraiment essentiellement du logement social et du logement social Paris Habitat. Donc les habitants, c'est aussi c'est les locataires de Paris Habitat. Et on pense que les impliquer dans des projets comme ça, ça permet de... qui participent, si vous voulez, à l'embellissement de leur cadre de vie, à l'amélioration. Et puis, c'est des projets vraiment de développement local. On se sert des ressources locales, des forces vives du territoire pour l'améliorer. Et on pense aussi que ça participe à une certaine cohésion sociale sur le quartier. Ça plairait à tes copains de faire comme toi ? Bah oui. Pourquoi ? Bah parce que tous les enfants aiment bien peindre. Que pense ta famille et tes amis de ton portrait ? Pratiquement tous mes amis ont dit ça c'est bien. Ils ont dit c'était bien et mes parents ils sont venus voir directement. Pouvez-vous m'expliquer votre rôle dans ce projet ? Alors mon rôle dans ce projet, je suis un peu la porteuse du projet. Voilà, puisque il y a un an, j'ai fait un projet événementiel sur le quartier de Porte-Montmartre qui s'appelait « Regarde aujourd'hui, mémoire de demain ».
Et à partir de là, on a eu envie de pouvoir exploiter un mur du quartier pour pouvoir réaliser une fresque murale sur la mémoire des enfants d'aujourd'hui. Donc je suis allée voir Paris Habitat et avec une grande chance, ils avaient justement un mur dans le 18e et à Porte de Clignancourt, donc vraiment dans le quartier. Donc ça a été vraiment l'occasion de pouvoir continuer ce projet avec des enfants du quartier. Que penses-tu de ton aventure ? Ça change de mes activités déjà, parce que j'avais jamais fait la peinture ou des choses comme ça, quoi que ce soit, des graffitis auparavant. J'aime bien ça, j'aime bien commencer. En plus, on met mon visage sur le mur. J'aime bien. C'est important que des associations de quartier proposent des ateliers découvertes. Oui, parce que c'est bénéfique pour les petits, parce que ils n'ont pas tous la chance de participer à des activités en dehors de l'école. Donc pour les familles, ça pourrait être intéressant, parce que ça permet de découvrir beaucoup de choses, de s'enrichir, de côtoyer des autres personnes. Et puis je trouve que c'est bien. C'est bien de continuer comme ça. Que pensez-vous du résultat ? En fait, je suis super contente parce que quand on a parlé de ça il y a plus d'un an et demi avec Vanessa qui est venue me voir parce qu'elle avait rencontré une artiste, Sandrine, sur laquelle elle travaillait sur des mémoires de quartier. Et donc, vu qu'elle nous connaissait, qu'elle avait déjà travaillé avec nous et puis qu'on accueille quand même un certain nombre d'enfants, elle a souhaité mettre en place un atelier autour de mémoire de quartier avec le savoir-faire d'une artiste, donc Sandrine. Et donc moi, en fait, ça m'a tout de suite plu. J'ai dit ok, vas-y, moi, je suis quelqu'un, je suis souvent partante pour ce qu'on me propose. Et vraiment avec le travail qu'elle a fait Sandrine, parce que pour moi, les enfants, leur expliquer le projet et qu'ils le comprennent, ils avaient besoin de matérialiser. Donc Sandrine, elle a fait une maquette et tout. Donc même pour Paris Habitat qui entre guillemets chapeaute aussi ce projet, c'était tout de suite parlant. Elle nous a fait une petite maquette et tout, et voilà, j'ai fait vas-y 100%, moi je suis c'est génial. Et puis mettre les enfants aussi au cœur de ce qu'on parle de mémoire, on a souvent tendance à parler, enfin à penser adulte, une vieille personne et tout, alors que la mémoire c'est aussi les jeunes du quartier. Et voilà, donc je suis super contente. Ça te fait quoi d'être sur un graphe ? Ça me fait je suis heureux. Et pour notre ami Naïm ? C'est rigolo, je me fais plein d'amis. Et toi, le grand frère ? Ce projet m'a apporté des choses. Parce que c'est vrai qu'au départ, je me suis inscrit comme ça. Je savais pas où ça allait m'emmener. Mais ensuite, après, avec l'idée de repeindre notre portrait sur le mur, c'est vrai que ça m'a intéressé en plus côtoyer des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. J'avais jamais travaillé avec des gens qui étaient plus petits. Et donc c'est une expérience. Action positive ? Le projet m'a fait plaisir en fait à monter, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais envie qu'il se passe quelque chose sur ce mur. Et j'ai senti les partenaires très motivés et très mobilisés, aussi bien l'antenne jeune Montsénis que l'association Oasis 18. J'ai eu des retours très positifs des enfants qui se sont grandement impliqués dans le projet, qui étaient très impatients que la fresque soit réalisée. Je suis passée régulièrement voir les étapes de réalisation de la fresque et j'ai pu constater que des habitants du quartier s'arrêtaient, posaient des questions. Vos enfants semblaient être flattés, trouvaient ça très sympa. Et ça, c'est vrai que c'est un retour très positif de l'action. J'en retire une petite satisfaction personnelle, forcément, puisque j'y ai participé
en partenariat avec les structures locales, à ce que le projet se fasse. Conclusion, Madame la Présidente. Génial. Je trouve que c'est un super projet. Ça fait magnifique. J'invite tous les gens que je connais à aller le voir parce que c'est vraiment magnifique.